Ladies, gentlemen, celui que vous attendez est ici depuis lundi soir. On l'attend, c'est gratuit, c'est Winamax TV. Hello, bonsoir, bienvenue, hello, welcome, comment ça va les amis Twitch, YouTube, positionnez-vous, mettez-vous bien, j'espère que vous allez bien. Planet Coaster 2 dans 22 jours, le 2 dans 22 jours. Hello, toi qui me regarde et qui peut-être me connaît pas, ou sait pas, où on en est, qui suis-je, où vais-je, comment te le dirais-je? Reste ici, positionne-toi, hello, welcome, Twitch, YouTube, let's go, Planet Coaster, Lazy River, Toboggan, Citrouille, la construction, l'invention, la création, Planet Coaster, avant le 2, on fait déjà du délire aquatique, c'est parti, let's go. Bonsoir le chat, comment allez-vous? Comment ça va? La forme, la patate? Avec plaisir. On est là, on est revenu, comme je l'ai dit, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais promis. C'est ici, ce genre de projet. J'ai envie de ce projet, j'ai envie de ce genre de projet. Alors du coup, oh merde, j'avais pas vu ça. On va pas perdre de temps. On va envoyer de la construction intense. Hop là, tu vois, là je perds pas de temps. J'y vais. Donc alors, on en était là au niveau du toboggan Citrouillax. On a la Lazy River aussi, faut qu'on peaufine la construction de Lazy, hein, tu t'en souviens aussi. Parce que on a beau rigoler et tout ce tralala, mais tu vois, il y a tout ça à faire quoi. Là, ce genre de projet comme ça là, ça peut être pas mal. Je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller en ligne droite avec ces éléments de mur là. Putain, ça peut être pas mal ça si on fait ça. Ah merde, je suis baisé. Je fais ça et ça. Ouais, tout de suite il me. Ouais, il faudrait que je. En fait, il faudrait que je. Comment dire, j'en mette un plan, que je fasse tout un ensemble. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main, écoute, y a pas de problème. Voilà. Comment ça? Bonsoir, bienvenue. Positionnez-vous, positionne-toi. Lazy River. You know? Lazy River. Oui. Bonsoir, Lizzie la Smoutoise. Comment allez-vous, Lizzie la Smoutoise? Comment ça va, Lizzie? Bonsoir à toi, positionne-toi. Ça va bien? T'as passé une bonne journée? Là, pas fait trop froid? Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien comme mercredi, en fin d'après-midi, Winamax TV, la puissance, la patate, la pêche, la joie, la bonne humeur, l'envie du meilleur. You know? Il a fait super chaud aujourd'hui, 24 degrés là, il fait encore 23 degrés chez moi. C'est à rien comprendre, je suis claqué. Tu es claqué? Bah moi je suis bien. Moi je pense que je serai claqué plus tard, je tiens peut-être encore... de l'énergie grâce peut-être au café sponsorisé. Café. Je me bois un café. Dans un gobelet incroyable. Mais vrai. Oula, par contre, ça, je vois que ça se décale de plus en plus le truc là. Peut-être pas ouf. Ouf là. Là, ça se décale de plus en plus, c'est peut-être pas bon signe ça, parce que... Attends, parce que si je fais ça... Toc, 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 toc... Ah, peut-être que je peux le pivotaxe, ouais. On va essayer, on va trouver la solution. Une tonne de coaster pour le plus beau parc d'attractions. C'est bon, j'ai la solution. Une tonne de coaster pour le meilleur parc d'attractions. De janvier à février. Non, c'est pas ça. De janvier à décembre, j'ai la solution. C'est ici que tu auras la meilleure position. You know? You know? En fait, ça le fait pas, par contre. Peut-être que je triche comme ceci. Comme ceci. Ouais, c'est pas mal, ouais, bon.
Je supporte plus le mercredi, je suis vieille je crois, mais lol, arrête. Arrête, t'as 20 ans, je suis sûr en plus. T'es vieille, mais non. Mais non, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Il faut pas se laisser abattre par ce genre d'événement. Faut pas se fier juste à comment dire, au ressenti de la réalité. J'ai peur que mon mur là, il parte en couillex. Ça c'est limite hein. Je pense qu'ici je vais reprendre de la caillasse. Hein. Je pense que je vais reprendre de la caillasse dès là quoi. Peut-être que on pourrait faire un délire ici avec de l'eau, tu vois. Peut-être ou un truc. Là, on puisse le bien le voir. Quelque chose de rapide hein. Comme tu as pu le constater, c'est quelque chose d'assez rapide là au niveau aménagement, habillation. Voilà. On appelle ça vite fait bien fait, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal.
Ça rend super bien. Merci. Il y en a qui vont me demander où est-ce que j'ai eu ce type d'arbre. Il faut savoir transformer les éléments que nous avons. Pas mal, ouais, j'avoue. J'avoue, j'aime bien aussi, figurez-vous. C'est vrai qu'on va sauvegarder. On va sauvegarder parce que j'ai envie de faire une chose là qui me passe par les Sprix. Du coup, je suis parti sur la Lazy River tout de suite. Maintenant, on va retourner sur le toboggan. Bien évidemment, on va aller sur le toboggan Citrouille, hein. Impeccable. Impeccable, ça fonctionne bien, les écrans, tout, le son, l'image. YouTube, positionnez-vous. Les gens qui viennent d'arriver, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui, l'Aquatica, c'est ici, reste là. On est bien, on est où? On est bien, on est là. Ça fonctionne bien, tout un tas de télécommandes, les écrans, les souris, l'électricité, la lumière, le son, l'image. Là, faut qu'absolument que je te trouve un truc, tu vas voir, je vais te trouver quelque chose, là, tu vas dire, ah ouais. C'est toujours pareil, la première sauvegarde est créée ce genre de lenteur. Au début, la première sauvegarde est lente, puis après, quand tu lances le jeu, la première sauvegarde est lente. En tout cas, chez moi, hein, je parle de chez moi, c'est comme ça que ça se sent, en tout cas, sur cette machine qui fait tourner le jeu, c'est comme ça que ça fait. Là, voilà, c'est bon, ça va vite maintenant. Ok, impeccable. Hop, on reprend ça. Petite technique là. Tu prends le truc, tu le descends un peu et hop, après tu le décales à l'arrière. Et hop, tu vois. Ça nous fait. Bon, tu peux le descendre aussi comme ça. Ça nous fait un. Comment on appelle ça? On comble un petit peu le fond, tu vois. Pas trop mal. J'aime bien. Alors du coup, je pensais mettre ça.
pensais voir si ça, je peux le reprendre par là, tu vois. Mais je m'aperçois que faut que je fasse quelque chose de nouveau pour ça. C'est pour faire la transition en fait quand ils arrivent là-dedans. Je pense que l'idée est pas mauvaise, hein. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise, tu vois. Là c'est pas trop mal. Ce que je voudrais faire, voilà, comme ça. Ça me fait un petit peu chier là. Pourquoi ça ne... Voilà. Ah non, je me suis planté là. What the fuck? Là, quand t'es sur play, la caméra elle fait des trucs bizarres. Bon, pas que, mais... droit en fait, ça doit être le... c'est ça qui est pas droit, c'est l'arche qui n'est pas droite. Falloir que je crée un socle, je pense. Ça c'est pas mal. Après ça, ça va faire chier ça. Je réfléchis. Si je le mets comme ça. I'm going down.
Ouais, voilà, presque, ouais, c'est ça l'idée. Comme ça de chaque côté, ça arriverait sur quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai envie juste de rappeler le temple. Mais là, je le fais que d'un côté parce que en fait, on n'a pas besoin de voir à droite, on n'a pas besoin de voir. Par contre, à gauche, faut qu'on puisse regarder. Faut que les gens qui sont dans la Lazie puissent voir un peu sur le côté gauche et pas et à droite il y a un mur, un décor pour délimiter quoi. Si je le mets comme ça, ça c'est pas trop mal. Ça, hop, allez, on va le virer d'ailleurs. On va le mettre là. Tiens. Les ruines sur le parcours, ouais c'est ça. Exactement ça. C'est exactement le concept, oui, t'as trouvé. Hop, ah, j'espère. J'espère ça par contre. J'espère, j'espère. On pourrait mettre ouais, des chiens. Ouais. On va mettre tout ça, c'est sûr et certain. Les ruines, c'est sûr et certain. When he said he was sick.
Ok, ça c'est pour voir un peu comment ça peut rendre leur d'effet. Ça sera mieux comme ça, non? C'est que j'ai peur qu'à l'intérieur comme ça, ça fasse, toi, ça le fasse pas trop le. J'aurais voulu de la lumière. Ça c'est bien différemment. Ça, c'est ce qui aurait été le mieux. Pas comment le mettre en fait. Pas envie de dénaturer le truc, tu vois. Parce que si je le mets comme ça, ça fait trop. Ça fait pas mal aussi, Irma. Si je le mets là au milieu comme ça, c'est pas mal.
je trouve comment ici faire les choses plus jolies. Presque bien aligné, Léon. Voir.
je continue à construire de nuit quand même, mine de rien. Il y a un petit truc qui peut être gênant là, non? Je ne sais pas. On va construire à... On a dit 14h. Non, midi? Midi 45, allez. On est sur midi 45. Bon, faut que je camoufle ça. Comment je vais bien pouvoir faire cet élément là? Ah, c'est pas beau encore là, j'ai des petits trucs à faire. Là. Début. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, remarque. C'est beau. Gentil. Peut-être, ma foi, on essaye quelque chose, hein. Ça soit facilement ajusté, parce que là si je fais ça c'est bien, il va falloir que je triche avec ça sinon. Il n'y a pas d'hibiscus? Ah! Ça se trouve, ça. Ça se crée, ça, t'inquiète. Très joli avec le temple. On peut pas changer la couleur. Voilà, hibiscus. Voilà, de l'hibiscus, on en a. C'est vrai qu'on peut le mettre où on veut, quoi.
Dans l'idée, imaginons on part sur un délire. On part sur un délire. Je crois que je pourrais faire ça. Ça peut le faire, ça. Le problème c'est qu'on le voit pas, ça sert à rien. On va pas le voir vu qu'ils arrivent de par là, ils vont pas voir ce côté là, ça sert à rien de faire ça. Moi j'aurais bien fait un truc comme ça ici, tu vois. J'aurais bien fait un truc comme ça. Ou comme ça. Attends qu'on voit pas trop, voilà, comme ça. Pas terrible. Donc là juste. Y'a un souci là. Pourquoi je dépasserai un peu? Merde, il va y avoir un petit décroché. Il va y avoir un petit décroché ici, c'est pas très grave. Dire que c'est pas très grave, ok.
Peut-être mettre des plantes après, je sais pas. Peut-être pas remettre comme ça, remarque pas. C'est pas plus petit ça en plante? Ça me donne envie de pisser, d'entendre l'eau couler tout le temps, pas toi non? Plus petit. Elle est immense quand même, de ouf. Halloween Project. T'as vu, j'ai mis une petite plante là. Jamais arriver à les reprendre. Ah, si. Ça, c'est de l'hibiscus, ça. Qu'est-ce que t'en penses? On va sauvegarder, on sait pas. On sait pas, tu sais pas? C'est un hibiscus, ouais. Ouais, c'est l'hibiscus, t'es marqué. Hibiscus japonais chinois je crois. Je jure c'est vrai. Toi tu rigoles. Tu me crois pas? Bien. Hibiscus, Chinese hibiscus. T'as vu?
Tu trouves pas que ça ressemble? Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu, remarque. Un petit peu, parce que je suis pas convaincu de la totalité de la fleur d'hibiscus comme ça, mais... Oui, de près, ok. J'ai voulu essayer quelque chose, mais bon, pas sûr. Je suis pas sûr de mon coup, là, cette fois-ci. Là, faut absolument que je trouve comment améliorer ça, parce que là, c'est pas... pas fifou, hein. On va mettre de la pierre après là, là c'est pour ok, hein, c'est là. Faut cacher ça. Ah horribilous. J'ai pas le choix là. Il faut appeler Métamorphosis. Tu connais Métamorphosis ou pas? J'ai pas trop le choix, c'est un peu le merdier quoi. J'ai un petit souci là. Parc Astérix ? Comment ça ? Tu connais Métamorphosis ?
C'est chelou, ça, non? Après, je peux peut-être faire... Métamorphosis du parc Astérix. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que oui. Tu connais, toi? Tu connais Métamorphosis? La bête, c'est une bête. Métamorphosis. La bête du parc Astérix. Métamorphosis. C'est vrai qu'on la voit qu'une fois. Il paraît qu'on la voit qu'une fois. Métamorphosis. J'ai jamais vu. Bah heureusement. Enfin, je dis heureusement. Je dis heureusement que tu l'as jamais vu parce qu'il paraît que tu la vois qu'une fois. Donc si tu l'as déjà vu, tu serais pas là pour en parler. Normalement. Impeccable, j'adore. J'adore ce système. Alors, du coup, on en est là. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça aussi, les amis? Allez, Final Planet Coaster. Planet Coaster dedans. 22 jours, t'imagines, Lizzie, ou pas? Que t'imagines, Lizzie, Planet Coaster 2 dans 22 jours? Métamorphosis de Planet Coaster 2, t'imagines ou pas? Ah merde. Merde, 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 j'ai hâte. Ah ah. Des toboggans en masse. En quantité industrielle. De manière... Hello Max. Incroyable. C'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je pourrais mettre des caillasses ici. Je pourrais mettre un gros caillasse. Parce que normalement, c'est pas des choses qu'on est censé... Oh! Monsieur Cargo, incroyable, il est là! Monsieur Cargo! Fanatique, professionnel, Overwatch et tout le tralala, monsieur Cargo. Monsieur Cargo, le fanatique d'Overwatch. Le maboule. Et il y a Gear 6, monsieur. Monsieur Cargo, il y a Gear 6 qui arrive. Vous avez vu ou pas? Merci, monsieur Cargo. Pour la force, la patate. La patate, la puissance. Merci, monsieur Cargo, 14e. Oh, aïe, 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 monsieur Cargo, 14e. Il est cinglé, le mec. Le mec est cinglé. Merci mon pote, positionne-toi, ça va bien. Gear! Gear away! Tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, moi je dis Gear 6, mais Gear d'idée. Parce que des fois, tu fais ça quand tu dis G-O-W. Il y en a, et pour certains, c'est God of War. Les gens, ils connaissent plus God of War que Gears of War. C'est drôle, hein? En tout cas, quand je dis les gens en Europe, je pense qu'on connaît plus Gears of, God of War que Gears of War en Europe. J'ai eu peur, putain, si j'avais mis de la pierre qui dépasserait par là, j'aurais été dégoûté, je me serais coincé. L'espoir dans une boîte noire. Parce qu'ils sont mauvais. Ah, les gens qui connaissent pas, ils sont mauvais. Bah écoute. Eh, monsieur Cargo, alors comment ça se passe la vie? Ça se passe bien la vie de rêve? L'oseille? Appartement, internet, le gaming, PC? Le futur? Les jeux vidéo, vous-même, vous savez. Comment ça se passe? Comment ça s'organise, monsieur Cargo? Merci d'être là. Merci d'être passé. J'espère que vous avez bien la forme, la santé, la patate. Je vous ai vu un petit peu, monsieur Cargo, du coin de l'œil. Je me suis dit, oh, lui, tant qu'il a d'électricité, il est connecté, lui.
professionnel. Ce genre de gamer. On est pas mal, hein, c'est franchement, c'est pas dégueulasse, hein. J'aime bien. J'aime bien, franchement, il y a un petit... Il y a une petite ambiance, là, quand même. Il y a une ambiance qui est posée, qui est installée, quoi. J'aime beaucoup. Par contre, est-ce que je continuerai à mettre des... Je ferais bien ça aussi, ici, tu vois. Ça, je suis obligé de, à chaque fois de faire ce truc-là. Et prendre celui-ci, aussi. Prendre ça. Copier tout ça. On va copier tout ça. Ouais, je suis en train de dupliquer des trucs dans la même zone. C'est un peu pénible, par contre, parce que c'est des choses qui sont déjà là. Hop, là, je vais mettre ça là. Après, je vais commencer à faire ça. Hop. Ça. Ça. Hop, voilà. Pour le moment, en repos, mais sinon, nickel. Comme toujours, en repos. Ok, ok. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, alors. Anciennement. Et monsieur Cargo. Ça fait trop bizarre de dire Cargo, je te jure. J'ai trop pas l'habitude, parce que... Faut savoir que cette personne-là, je l'ai connue dans les années folles. Cette personne-là, je l'ai connue dans les années folles à l'époque... à l'époque de la Xbox. La X-Bra. Sous un autre nom. Pour les années ouin-ouin. Les années où je ouin-ouin, j'étais en mode ouin-ouin à mort sur, dans le jeu vidéo multigame. Enfin, multigame. Dans le multigaming, multijoueur, c'était les années ouin-ouin. En tout cas, sur Xbox, j'ai beaucoup ouin-ouin parce que j'étais quand même déçu de... comment dire... Que les gens, ils aient pas la même, la même optique dans le multijoueur, hein, dans le PVP. Les gens, ils avaient pas les mêmes, le même délire que nous tous, hein, monsieur Cargo. Vous êtes plus posé quand même, hein, vous êtes plus balèque, quoi. Par rapport à moi, je dirais... plus en mode balèque, monsieur Cargo. Moi j'étais en mode ouin ouin beaucoup. J'ai beaucoup ouin ouin, j'arrêtais pas de me. Enfin, pas que j'arrêtais pas de me plaindre. Et j'ai beaucoup de choses sur. Tu te souviens ou pas? Monsieur Laox, exactement, c'était ça, ouais. Ça veut dire que tu as été un joueur manette? Ouais, ouais, mais carrément. Mais oui, j'ai été un joueur manette pendant des années, écoute. Quand j'ai arrêté le PC. Quand j'ai arrêté le jeu PC en 2000. Ça devait être en 2006, un truc comme ça. 2006, entre 2006 et 2008, j'ai arrêté de jouer sur PC, j'étais sur console. La Xbox 360. Xbox 360 à meurt. Xbox 360, quoi. Après, il y a eu la PS4. Pour Destiny. On était tous les deux Destiny. J'ai déjà dit, j'ai déjà raconté un peu ma vie... J'ai déjà un petit peu raconté ma vie à ce sujet, il me semble. Hey, c'est pas dégueulasse si je fais un truc comme ça, là. Par contre, je sais pas comment je vais amener ça par la suite, parce que là, je pense que je vais devoir... encore foutre plein de rochers. Là, on va dire que c'est pas très beau, mais c'est parce que c'est pas fini. On se rend pas compte de la... comment dire, du projet final. Dans l'idée. Par contre, c'est pas mal si je fais ça, en fait. C'est plus ça qui est pas mal. Mais le souci, c'est que comme ça tourne... Ça risque pas d'être très joli. Quoi ? Voilà, ça fait chier. Donc oui, j'étais un joueur manette. De toute façon, tu sais que le jeu Gears... Gears of War. Gears of War, anciennement. Gears maintenant, tu vois, j'ai joué avec Gears 4 et Gears 5. Sur PC. J'y joue à la manette, hein. Gears, pour moi, c'est un jeu manette. Hein, Encore pour le PVE, en clavier souris, ça reste un peu jouable, mais bon, c'est un jeu manette. C'est, le jeu est totalement... Enfin, faut y jouer à la manette, quoi. En clavier souris, c'est un bordel. Ça fait chier les bords verts, non? Ça passe, quand même. Toujours manette, Gears. Ouais, carrément, toujours manette, de ouf.
On mettrait-il donc pas un peu de sable ici, les amis, si vous voyez. Un peu de sable quand même par là, non? Là, le problème, c'est que voilà, c'est délimité par, par ça. Là, je voulais faire une sorte de chemin, tu vois. Chemin pour les... Merde, les spectateurs. Les visiteurs. Plutôt cool, hein, ça rend pas mal. On va mettre minuit. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah merde, j'ai pas mis. On va mettre minuit 45. Mais d'abord, on n'a pas de lumière avant. Hein. Donc, tu vois, là, t'es en train de te baigner tranquille, tout. T'es posé dans la piscine. Évidemment, on fera un tour de toboggan quand je l'aurai fini, parce qu'il faut que je le fasse après. Faut que j'avance dessus. Puis là, d'un seul coup. À force de thé, de brasser et tout ça, hop, tu te dis vas-y, go, go dans la petite rivière. Et là, ouh, là tu te fais porter dans la petite rivière. Tu fais oh, oh. Bon, ici il faut que je fasse quelque chose aussi, hein, évidemment. Tu fais oh, tu prends le virage qui est là. Incroyable. Et, wow. Ah oui, j'ai pas mis de l'autre côté. Là, t'arrives sur une ligne droite ici. Là, il coule. Ça coule tout le long là. Oh. Faut que je mette des lumières, faut que je mette un truc. Elle est un poil... Et quoi? Énervée la rivière. Comment ça énervée? Ah, tu veux dire au niveau du courant? Un poil énervé. Bah, il faut du courant, écoute. Il faut que tu sois emmené, tu vois. Et là, plouf! Dans un bassin, normalement. Pour finir tout ça. Et d'abord, juste avant, si tu veux, juste avant, tu peux faire un petit tour de toboggan, tu vois. T'as le toboggan là, juste avant là. Et d'ailleurs, pas trop éclairé, quoi. Il est vénère aussi le toboggan qui est là, hein, mine de rien, quand tu regardes. T'as vu quand même que si on mettait. On va mettre 14h45. T'as vu qu'il a, il a un petit peu vénère le toboggan ici quand même. Le brise-cheville. Non. Non. Ils ont rien du tout. Le stylet quoi. Ah! Il manque un fil de tension là. Merde! Merde! Alpha, Tango, Charlie! Erreur! Il manque un fil de tension. Hey friend. Il manque un fil de tension réalisé ici. Enfin, à réaliser ici plutôt. Et là, j'ai les supports à finir encore. On a trouvé Monsieur Cargo d'Aorak. C'est Monsieur Cargo d'Aorak Laox. Il est là. Robin Hood. Robin des Wab. Et c'est pour la hauteur, en fait. C'est pour voir... En fait, c'est un témoin qui me dit qu'au niveau de la hauteur, ça va... Le mec mesure 2m10, c'est bon quoi, t'es. C'est bien quoi. Non, c'est pas moi. Ok, d'accord, mais moi j'aurais cru. J'aurais cru, monsieur Cargo, que c'était vous dans Overwatch. Non, y'a plus Sequoia. Y'a plus Sequoia dans Overwatch là, Hanzo. Hanzo. Il existe plus aussi, il existe toujours. Moi je dis Sequoia, tu te souviens, le mec il envoyait des troncs d'arbres quoi. Pas des flèches qui ont envoyé le mec, c'était des troncs d'herbe. Je préfère Widow. Ouais, non, mais je sais, sniper et tout, grappin, araignée.
les formes féminines mises en valeur. Également. Ah, pour les skier, attendez, ils lui ont pas fait de skin où elle était en robe de chambre. Hein. C'est ce que je veux dire. Ça pêche, oui. Comment ça, ça pêche? Oh, ça pêche? Comment ça, ça pêche? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, mais attends. Il y a pas dans Valorant des gens qui jouent à l'arc. Il y a pas un arc dans Valorant. Je sais pas si j'ai jamais joué à Valorant. J'ai regardé un petit peu, mais je connais pas. Vous jouez à Valorant, je sais. Je sais que vous jouez à Valorant. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Arrêtez. Mais c'est un jeu que je connais très peu, Valorant. Enfin, pas trop, quoi. Certains diront que c'est un Counter-Strike Overwatch. Moi, je te dirais que Valorant, c'est Valorant. Valérie Valorant. Sova, oui. Ouais, voilà, il me semblait bien. Donc, du coup, ouais, voilà. Vous êtes un joueur. Ouais, mais voilà, vous êtes un joueur à l'arc. Le genre de toboggan est vénère. Mais stylé quand même. T'arrives dans l'eau de manière. Fouf. Là, tu fais un bon plouf, là, sur le WM, mon pote. Ce genre de WM, ça. Ça, c'est de la piscine, mon ami. Ça, c'est de la piscine. Ça mérite un screenshot. Ça mérite un screenshot pour Discord. Light Coaster. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est de la piscine, mon ami. Et de nuit. On a dit que c'était. On avait trouvé une heure la dernière fois. 18h45, c'était pas mal, non? Non, il fait nuit. 17h45, c'était l'heure. On avait dit c'était déjà l'easy time. Non, c'est pas ça. 20h40. Non. 19h, c'est trop tard déjà. Bah non, bah c'est 18h, il fait nuit, 19h. Ah, 19h, on n'est pas sur une nocturne totalement. C'est pas mal. C'est propre, ça. Si, ça claque comme ça. Voilà, je t'ai fait les deux jours-nuit. Comme dans les visiteurs. Non, parce qu'on sait que 17h45, c'est l'easy time. Ou... Ah non, c'était 17h15. Comment te dire? Regarde, là, le soleil, regarde. Ray tracing, DLSS et tout le tralala. Hein. Ok. Rien à foutre des 5090. Tiens, les cartes graphiques qui arrivent là. 5090 à 3000€. Rien à battre. Nous, on joue à Planet Coaster, on a les effets qu'il faut. Les rayons de soleil, les reflets et tout. Rien à carrer. On est à autant de FPS qu'on a envie. On s'en fout. Donc là, on a dit qu'on avait le soleil qui se couchait à cette heure-là. 17h... 17h15, non, peut-être, c'était. C'est pas 17h15? Ouais, 17h15. Mais regarde, 17h15, c'est pas mal non plus. Ah, voilà, c'est 17h15. On dirait, tiens, là, on sait pas. Vraiment, si tu sais pas l'heure, on pourrait croire à début de matinée ou... Où... Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser vraiment à un coucher de soleil ou à un lever de soleil? Franchement, c'est les deux, hein. Lever ou coucher de soleil. Comment on pourrait le voir Les reflets sur la cascade, là. Oh là là, cette jolie cascade. Oh. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici, encore une fois de plus. Quand je la regarde, je me dis... J'espère que sur Planet Coaster 2, on pourra faire des trucs encore plus magnifiques que ça. Hein, j'ai vraiment, 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 vraiment la curiosité dans ma tête sur les rendus finales que pourront nous offrir Planet Coaster 2. Comment vraiment ça va pouvoir s'installer, se poser parce que le jeu va être forcément plus joli, va être forcément plus fluide, va être forcément mieux, quoi. C'est le 2, normalement, le 2, il est mieux. Là, faut mettre ses lunettes de soleil, hein, quand même, ça picote, hein. Non, parce que tu vois, comme c'est une heure assez ambiguë, il y a quand même la lumière des bâtiments qui est là. Ouais. C'est vrai qu'il faut que je finisse de travailler ici aussi. Hein. Oh, j'ai oublié tout ça. Hé, hey, José! Si, moi je rentre, je suis le patron, je rentre. Oh, il t'arrive quoi. Il faut, lui. Je l'ai payé en glace, tu vas voir. En glace carambar. Tu vois, tout ça, là, il y a... Ah, j'ai pas fini toute cette aventure.
Il y a quand même du chantier là, il y a quand même un chantier. Ouais. Pour réaliser. Bon, c'était juste pour montrer au niveau. Regarde les reflets, mon pote. Les reflets, tu vois. Et dans un jeu de 2007, et je le dirais à chaque fois, je te jure que je suis possédé sur le. Je radote. Et regarde les reflets, mon ami. Regarde-moi. Regarde les reflets. Regarde les reflets du bateau. Regarde, t'as les reflets même du toboggan là, les toboggans, regarde, les reflets et tout. Le jeu, il date de 2016, mon pote. Regarde-moi ces reflets. Regarde-moi cette qualité. Regarde. On a mis un petit peu de machinerie, quoi. Moi, je sais pas sur quel bouton j'appuierais, mais... Train. Ouais, en fait, c'est un petit peu... Faut pas le dire, mais ça correspond pas au toboggan. Hein. Ah, je crois qu'on a une fuite, là. Faut appeler Docteur Mario, là. Un plombier moustachu. Ah oui, j'ai oublié de finir ça aussi. Vous vous souvenez la boule là? On a fait une petite boule qui envoie des jets d'eau. Non, si, c'est encore un truc conceptuel ça. Hein? Concept art. Même les Allemands y ont pas pensé à ça. Il est sympa aussi ce toboggan là quand même quand il repense. Hein. Tu pars de là, tu fais ouh 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 ouh. Bien que c'est pas centré là. Il y a un problème de... Il y a un problème de centrage avec ce truc-là. Ah ! On voit que c'est pas bien centré. Bon, bref. On n'était pas là, on en était à... On a fait la Lazy River, on a commencé ce genre de projet de Lazy River, you know, ok. Moi j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. On va peut-être remettre dans une heure un peu plus constructive, c'est-à-dire 14h15. À 17h45, on se rit plus. Qui construit à 17h45 quel chantier fonctionne à 17h45 encore? Moi je ne connais pas beaucoup. Vous connaissez des chantiers encore à 17h45, vous? C'est rare, hein. C'est rare quand même, hein. Moi je te le dis, c'est rare. Je vais te mettre une... Hop, ici. Je vais mettre une autre là. Et une autre là pour la jonction ici. Ok. Tu crois que je peux faire ça? Ouais, c'est pas mal.
contre, ça me gêne, ça. Putain, c'est vraiment dommage. Hein. Si je fais un truc comme ça... Oh, l'idée! Oh, l'idée est bonne! Oh, l'idée est bonne! Pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'idée est bonne. Oh, l'idée est bonne! Bonne est l'idée! Oh, oh oui! Yeah, baby! Il me faut un tout petit caillou. Non, pas celui-là. Bravo! L'idée, bravo! Bravo! Très bien! Well, t'es pas. Sacré nom d'une pipes! C'est plutôt pas mal. Là par contre ça sent la ça sent la marde, comme on dit dans le jargon Johnny be good. Ah! Saloperie de crotte de cul de sélectionner la sélection. Mais non. Ah! Mais quel merdier! Très bien. Donc du coup, on peut refaire ça ici aussi. Peut-être you know. Regarde-moi ça. Regarde-moi l'architecte vietnamien portugais grec là. Mmh. Ouais si. À force de... Si. Si. Parfait. Parfait. Parfait, onomatopée, parfait. Yeah baby, on a l'impression que je suis dans mon parc égyptien, tu vois. J'ai l'impression de me retrouver un peu dans mon projet égyptien, quelque part. Alors que pourtant, on pourrait dire qu'il y a une inspiration un petit peu... Dubaïenne, non? Ça se dit ou pas? J'ai un petit peu une inspiration de, tu sais, des parcs aquatiques, Dubaï et tout l'esprit, tout cet esprit, on va dire. Ça, c'est pas mal, hein. Mais c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. En fait, je suis vraiment surpris parce que là, je suis encore plus dans le freestyle hein, que d'habitude, hein. Ouais. Non, ça va pas par contre. Aïe, là il va falloir de l'ajustation. L'ajustation. Ce genre de mots. Mais ça sert à rien si je ne fais pas quelque chose où on le voit un petit peu en bas dans l'eau. Ah, ça me fait chier, ça, mais bon. Il fait tellement chaud que j'ai toujours la fenêtre ouverte. Oh, il fait tellement chaud encore. Arrête, je vais te dire, moi. Je vais te dire les températures actuellement, extérieurement. Alors, il est actuellement 19h26. Nous sommes le 16 octobre 2024. La température extérieure actuellement sous peu sur la capitale Île-de-France est actuellement de 22 degrés. Dans la province, elle peut s'en aller jusqu'à 19 degrés. Par contre, il prévoit de la pluie et inondation par chez moi. Ah d'accord, bien, parfait. Très bien. Ah. Orage, pluie, inondation, salade, tomate, oignon. Supplément. Chaise longue. Ah ouais. Non, bah, pas là. Hein. Même ce week-end, il va faire dégueulasse. Non, fait chier quoi. Fait chier, il a fait beau quand tu bosses et puis c'est toujours comme ça. T'sais. Il fait beau. T'es au boulot. T'es en repos. Il fait moins beau. You know? J'aime pas ça, j'aime pas beaucoup ça.
Toboggan citrouille, je vois que le temps est compté. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, monsieur Wick. Hop. Toboggan. C'est parti. On est reparti. On continue. Citrouille parti. C'est ici que ça se passe. C'est pas du cinéma. On est sur Planet Coaster nous-mêmes. Hop là. On va construire notre. Bon, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire. Ah oui! C'est toujours comme ça, ouais, on travaille, il fait beau. Ouais, c'est ça, on travaille, il fait beau. On est en repos. C'est ghetto. Tu te souviens, hein, ce qu'on a fait ici? Des citrouilles, tu te souviens des citrouilles fait maison, les citrouilles réalisées en 2, 4, 6, 8. On a fait de la citrouille en masse. On a réalisé de la citrouille, mais vraiment de manière... rapide, quoi. Ah merde, j'ai décalé tout. Trop belle, j'adore ces citrouilles, t'es sûr? Parce que t'as vu, je les ai faites quand même de manière... des formes géométriques, hein, et j'ai vraiment... je me suis vraiment dit, je vais essayer ça, je vais essayer de les mettre comme ci, je vais mettre comme ça, de les décaler et tout ça. S'il y en a qui n'ont pas vu, vous pouvez aller sur YouTube, regarder comment j'ai fait rapidement. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas longtemps. Sur YouTube, je montre comment j'ai réalisé ces citrouilles-là en quelques secondes. L'idée, en fait, l'idée m'est venue. Je me fais attaquer, attention, c'est quoi ce bordel? Oh de Dieu, bordel de merde. Non, 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 non. Voilà. Le truc, c'est que j'ai eu l'idée dans ma tête d'utiliser des formes géométriques et après, du coup, les décaler et tout ça, donc... je me suis dit, est-ce que ça va rendre bien? Je me fais attaquer par les citrouilles encore. Est-ce que ça va rendre bien? Et puis en fait, c'est pas nul. Ouais, c'est pas faux. Combo. Ah, pas nul. Ah oui, pas mal. Pas mal, j'avais oublié. J'avais oublié. Les citrouilles. Les citrouilles. Oh, parce que là, c'est pas très beau aussi, tu vois. J'ai pas des bonnes jonctions. Le toboggan, il a des fuite-axes. Merde, c'est placé vite fait, ça, non? Il y a un petit jour, quand même, non? Ouais, il y a un petit jour. Ah ouais, on le voit bien, le jour. Aïe. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais non, mais si c'est pour faire la même chose, comment tu veux que je fasse le truc avec le machin, bourricot? Voilà, alors du coup, est-ce que j'ai les couleurs citrouillex? Ouais, ça c'est des bonnes couleurs, hein. On va remettre orange partout. Pas mal. Donc on a dit qu'on tournait autour de cette citrouille-là. Non, je sais plus... Je sais plus. Je sais plus les plans. On est parlé la dernière fois, je sais plus comment ça se passe. Attends, je vais continuer. Il y a un peu de café là-dedans encore, ouais. Pour te dire qu'il est pas très chaud. Hein. Je crois qu'il n'y a plus rien. Hop, on passe à la deuxième gourdasse.
Du coup, je pense que je devais tourner par là encore. Je faisais encore une sorte de demi-tour par là. Et je vais pas faire encore quelque chose ici. Et puis, ils vont monter par là, en fait. C'est-à-dire que... les gens montent... Hein ? Ouais. Oh, le mec. On a des citrouilles dans le jeu, normalement. Si je mets citrouille, sans regarder mon clavier, j'écris... Oui ! J'aimais bien ça. Voilà, c'était ça. Exact. Parfait. Excellent. 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 On va mettre de la citrouille en masse. Oui ! On a des citrouilles comme ceci. Attends, on va faire un chemin de citrouille. C'est ça que je voulais faire, si on fait un petit chemin de citrouille. Ce petit chemin qui sent la citrouille. Non, c'est pas ça. Attends, d'abord, si je prends... Ah ouais, mais on a des grosses citrouilles. On peut mettre des petites citrouilles par-dessus, comme ça, tu vois. On va faire des choses comme ceci. Incroyable. Ouh, elle est balèze, celle-là, elle est balèze. Elle est balèze de ouf. Celle-là, elle rigole zéro aussi, hein. C'est ce genre de citrouille, mon pote, qu'on s'en souvient quand tu la vois pour la première fois. Tu te dis, on n'est pas à Noël. Ah, c'est pas mal, ça. Donc, je les mets un peu... J'en mets un peu partout, tu vois. Donc, celles-là, elles étaient... ouais, c'est marrant. Et des fois, on dirait un peu des ballons en cuir ou... tu sais. Voilà, il paraît que la citrouille, ça n'existe pas, hein. C'est du potimarron ou de potiron, de je sais plus quoi, hein. On appelle ça citrouille pour le délire. Mais il paraît que la citrouille n'existe pas, c'est vrai ou pas? On accepte cette version, c'est vrai? Ce petit chemin qui sent la citrouille. C'était pour... Ah mais c'est vrai ou c'est pas vrai, chat? La citrouille, ça n'existe pas, à la base c'est du potimarron ou du potiron ou... Ou de potiron marron, là. Potiron, voilà, c'est ça. Potiron, exactly. Le chat a dit, le chat a tranché, le chat a décidé, le chat dit la vérité. Je cherche un arbre. Je cherche ça pour faire un effet de... Tu vois? Ça. Ou ça, deux arbres comme ça, ça pourrait peut-être... Je prends ça. Ouais. Ah, madame, attends, excusez-moi. Excusez-moi. Et je le mets comme ceci. Je prends ça. Par exemple, tu vois. Est-ce que l'idée vous plaît, chat? Chat préféré, est-ce que l'idée vous plaît? La citrouille existe, mais elle ne se mange pas. C'est celle qui est utilisée pour faire Jack aux lanternes. Jack aux lanternes. Non, est-ce que t'as écrit lanternen? J'arrive pas à lire. Ah, mais moi je lis bête pêle-mêle, bête et streamer indiscipliné. Je lis comme je le vois, quoi. Des fois, je peux moi-même me tromper, faire les choses pas correctement. Mais... Ça, c'est pas mal, ça. On ferait une entrée de discothèque. Avec les citrouilles qui clignotent, tout, ça serait marrant. Bon. Du coup, ça serait ça. L'idée serait ça pour arriver dans la zone... Tu vois, en fait, les gens, ils descendent. Comment te dire? Je bouge un peu la caméra dans tous les sens, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je prends une échelle. Je prends une échelle pour que on puisse sortir de la piscine. Oh, oh, oh. Tiens, il y a un loupax, là. Pour qu'on puisse sortir de la piscine, par exemple, si je la mets ici. Je mets l'échelle ici. On va la mettre bien correctement. Hein. Comme ça, c'est plutôt pas dégueu, je pense. On va faire le mec bien, on va la mettre au milieu de ça, voilà. Comme ça, les gens, ils sortent de la piscine, hop, ils prennent le chemin
qui va justement pour le toboggan. Par contre, là. C'est comme ça que ça marche, ok. Les gens ils prennent l'échelle, hop, là on fera un petit chemin à la citrouille justement. Un petit chemin citrouille. Donc dans l'idée ça serait ça. Elle est petite celle-là quand même. Peut-être que je change. Oh, la barrière, elle est pas très bien fixée, là. Dis donc. Ça a été fait vite fait, bien fait, ça, hein, il me semble. Il va falloir une petite soudure, là. Y aurait-il un soudeur agréé, là, dans l'assistance, là. Il me faut un soudeur, là. Y aurait-il un soudeur, là, qui puisse me souder des barrières, faire de la bonne soudure au TIG, MIG, FIG, tout ça. Il y en a qui connaissent un petit peu. Pas de la soudure baguette là, moi je veux de la soudure. Ouais, ça passe comme ça. On est pas mal. Ouais, lanterne, oui, t'as pas écrit ça. Hein. Et la variété s'appelle justement Cinderella la Pumpkin. Cinderella, c'est ça? Cinderella, pomme de relette et pomme d'api. Moi ça m'a fait penser à ça, du coup je suis lancé, tu vois, carrément. Carrément sans vergogne. N'importe quoi. En fait, j'ai un lexique à placer à chaque fois que je fais un live. Après, je pourrais te dire paracausal, tu vois. Je pourrais te sortir des paracausal, des sinusoïdes, des concupiscents, ça, des... Enfin, je peux te sortir des trucs. Même moi, des fois, je pourrais pas te dire ce que ça veut dire, au final. Parce que j'ai pas été à l'école longtemps. Jusqu'à temps qu'il fallait que j'arrête, quoi. Enfin bref, Cinderella égale Cendrillon. Ah ouais, bah oui, mais c'est pas je me dis Cinderella. Ok, Cinderella c'est Cendrillon en italien, non? Même pas. Non, t'embête pas, j'ai je me suis dit. Je dis c'est peut-être pas ça, mais. Ah! C'est pas ça. Par exemple, si on fait un truc comme ça ici. Mais peu importe, hein, c'était une idée. T'embête pas, te dérange pas. J'ai pas envie de te contrarier ou j'ai pas envie de que tu me dises. Non, bof. Bof au final. On va te mettre une autre citrouille. Celle-là, on l'a pas mise, celle-là. Moi, je prendrais bien celle-là. J'aime bien le support. Non. J'aime bien le support. J'aime bien la tête qu'elle a. On la mettrait bien comme ceci, ici. Hop, là. Et puis, ouais, je m'embête. On l'a dit, celle-là. Je m'embête à pas respecter... Est-ce que je pourrais faire ça plus rapidement? Elle a une tête de vénère. Hein. Celle-là, elle est vraiment vénère, je trouve. En anglais, MDR. Oui, non, mais moi, je dis en italien parce qu'en A... Nanana. Ça aurait été en haut, j'aurais peut-être dit espagnol ou... Parce que, tu vois. Gentlemen, in the mix. Et là,
J'ai envie, les amis, de vous dire... C'est dans quoi déjà Si je mets pierre tombale, ça n'a pas fonctionné. Si tu penses. C'est pour rigoler. Bonsoir Gargoyle, comment allez-vous? Bonsoir, bienvenue, positionnez-vous, mettez-vous bien, hello, welcome. Comment ça va? Comment ça va, dis donc? On a mis des ronds déjà, hein. Ils sont même pas fait chier là, ils sont même pas fait chier, ils ont même pas creusé un trou, ils ont juste mis des pierres et puis balèque hein. Bah les couilles pour lui quoi, ils ont mis des pierres, ils l'ont recouvert et puis hop, merci, bonsoir. C'est pas terrible ça. J'ai essayé un truc tu vois. F5, sauvegardation, on est bien. Coche le DLC Spooky. Ouais, non mais t'inquiète, j'ai réussi quand même. Salut Gargoyle, comment ça va, la forme de patate? Ce matin, j'ai fait une radio et une échographie. Et je suis maman de 3 enfants. Ah, mon bras gauche, le radiologue m'a dit qu'il fallait faire quoi? Des infiltrations. Je vais voir mon médecin, il ne peut pas me proposer autre chose. Des infiltrations. Oh merde. Faut aller faire de la thalasso. Les Gargoyle, moi j'ai une idée. Vous allez faire de la thalasso. Vous allez en thalasso, faire des bains, du hammam, du sauna, des trucs comme ça, des massages et tout. Vous allez dans le Wood Aquatica. Il y a une Lazy River là. Vous allez vous balader dans la Lazy River là, tranquille. Comme ça, vous vous laissez porter par le courant. Après avoir descendu ce joli toboggan, qui est pas encore fini, mais qui va être dans pas longtemps en fonctionnement, j'ai envie de te dire. Et, salut! Des infiltrations! Oh merde, ça c'est sacrément bizarre comme approche de bienvenue, Gargoyle. C'est pas cool, ça veut dire que vous avez des... C'est la fin des haricots pour pour les articulations, non? C'est quoi les articulations? C'est par rapport à quoi? C'est musculaire? C'est osseux? C'est... Je suis pas... pas professionnel, hein. Pas très beau, là. Ma jonction est quand même... je dirais un petit peu dégueulasse.
Excusez-moi. Je me concentre un minimum. Vous le permettez. Je viens. Bonne idée. Tu me payes le ticket d'entrée. Ah mais moi je veux bien, hein, mais bon, pour ça, va falloir que je gagne beaucoup d'argent aussi. Parce que à la base, on n'a pas besoin de travailler tous. Hein. On travaille parce qu'on a besoin d'argent, tu vois. Donc si ce n'était que moi, je vous offrirais tout ce qui vous fait plaisir. Hein. J'aimerais bien. J'aimerais bien offrir tout ce qui fait plaisir aux gens. En tout cas, offrir plus que ce que je peux, moi, apporter de base, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Malheureusement, Igara Girl, je vais vous décevoir et j'ai pas envie de vous rendre triste, mais ça va pas être pour tout de suite, dans l'immédiat, dans la faisabilité des choses. Ça m'est compliqué. Mais sinon, il paraît que des thalasso thérapeutes, faire des thalasso, des cures aussi, cures thermales ou cures ET, il paraît que faire ces trucs-là, c'est... moyen, là. C'est moyennement moyen. C'est, ça peut être réparateur ou ça peut être bienfaisant, ça peut être... je sais pas, bienfaisant, qu'est-ce que je raconte, moi. Ça fait du bien, ça, tu sais. Au niveau des articulations, au niveau du corps humain, des organes, du fonctionnement et tout. Aucune idée, je suis pas médecin mal non plus. Et j'ai envie de te dire que... Alors, est-ce que c'est éclairé dans la night, ce truc-là? Ah ouais! C'est rigolo. En train de me dire quelque chose, les amis. On n'avait pas enterré Planet Coaster une fois. Vous vous souvenez ou pas? J'avais fait mon We Dark Halloween. Mon We Dark Halloween, là, mon Dark Ride et tout. Oh oui, un spa, je veux. vas-y, let's go. On n'avait pas enterré Planet Coaster. Il va falloir qu'on enterre Planet Coaster pour le 6 novembre. Hein. Dans 22 jours, on enterre Planet Coaster. T'as fait ça là, comment, avec quoi? Tu me dis, toi, Spooky, toi. Ouais. Toi, tu me dis, toi, thème, non, contenu DLC, si. Pack de contenu, Spooky. C'est effrayant. Spooky, ça veut dire effrayant. Tu commences Tiny Glade? Je commence Tiny Glade? Ah bon? Comment ça, quand ça? Où ça? Ah ouais? C'est vrai? Je savais même pas. Les guerriers, je savais même pas. Il me paraît un petit peu gros. Il me paraît un petit peu gros le corbac pour être sur ce style d'arbre. Non, il faudrait qu'il soit sur celui-ci. The Crow. Donc c'est pas ça du tout que je voulais faire, mais... Oh, on avait enterré Planet Coaster, c'était sur... Ouais, c'était ça! Je m'en souviens! On avait enterré Planet Coaster!
Voilà. Le mec est trop content, il a réussi à... sa connerie. Voilà, Planet Coaster. Enterrage. Enterrement. Bonsoir, monsieur Wad Max Air. Voilà. Planet Coaster. Enterrement de Planet Coaster, les amis. La séquence est irrévocable. Non, c'est pas ça, la sentence. On va faire une tombe spéciale Planet Coaster enterrement. Où c'est qu'on pourrait la mettre dans le, notre cimetière? Cimetière qui date pas d'aujourd'hui. Oui, jeu de mots. On va le mettre ici au centre. On va le mettre là, puis je vais mettre un... Là, on va le mettre là comme ça. Tout ça, monsieur Wad Max, bonsoir, bienvenue. Il n'est pas encore tout à fait décédé. Attention, le 2. Avant de faire ça. Ouais. Ouais, mais bon, faut qu'on se prépare. Faut qu'on se prépare quand même. Regarde, on va l'enterrer. On enterre. On l'a déjà enterré l'année dernière, un petit peu, quand on a fait notre We Dark Halloween. On va enterrer Planet Coaster ce soir, un petit peu. Et tu sais qu'il reste 22 jours. On l'enterre un petit peu, hein. On prépare la concession. On met de la marde partout. Ce genre de terreau. On a mis du tout venant. On a enterré Planet Coaster sur du tout venant. On a mis ce genre de toutes les constructions, de tous les parcs qui ont été réalisés depuis 2016, de tout le monde, de tous les utilisateurs, de tous les fanatiques, de tous les professionnels, de tous ceux qui ont mis tout leur cœur dans toutes les constructions. Il y a de l'âme de tout le monde ici, du gravat exactement. Attends, tu sais quoi? On va partir sur un truc complètement cinglé, quoi. On va lui mettre une petite bougie sur le... sur la goule. Ah merde, ça passe pas comme ça. Alors on va mettre une petite... on va mettre un banc. Ah, je peux pas. On va mettre le coaster là-dedans. Moi je vais lui mettre un truc, mais en bon uniforme. Un truc digne de ce nom, tu vois. On va lui faire une... un sanctuaire, mon pote. Et bon, le problème, c'est que, voilà, comme disait monsieur, monsieur One Max, fanatique, iPhone, Ride to Happiness, Flatride, MacBook, et j'en passe, c'est les meilleurs. Frites au cheddar. Et ben, tu vois, c'est pas encore le bon moment. C'est en bois ou en pierre? C'est en bois, ça, hein. C'est pas en pierre, hein. Ah non, si c'est en bois, c'est pas en pierre, quoi. Putain. On va lui faire une stèle incroyable, mais vraie. On va lui faire une sorte de commémoration. Y a pas un tableau géant à mettre derrière? Non. J'aurais bien mis un tableau géant, tu vois. Avec des images telles que on a. Ah bah d'accord, ok. Mais non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, c'est pas mal. Ça, ouais, j'aimais bien ça, les mains. Ça, Stéphane, tu t'en souviens, on a mis ça dans le parc. Evolution World. Mais non, c'est pas ça qu'on va mettre.
plus joli peut-être un... le château. Après là il y a des images qui sont nulles. Ça, c'est des éléments du parc Astérix quoi. D'ailleurs je sais pas qu'est-ce que je fous avec tout ça. Ça c'est à cause de Manu quoi. Monsieur Manu Monsieur Manu m'a parasité avec toutes ces images du parc Astérix. Ça c'est le Pégase Express. Ça c'est les places de parking, je reconnais la voiture de Howard Max qui a passé son permis. Il roule en Apple Tesla. Barre de chocolat. On va mettre ça quand même, c'est quoi ce genre de diablerie? J'en ai quand même des conneries, une petite statue. Ah ouais, une petite statue, t'as pas peur. Incroyable. Excellent. Excellent, incroyable, Osiris. Ouais, une petite statue, t'as raison, maintenant je regarde juste ce que je... En transe, Prague City. C'est quoi ce bordel? Comment c'est que j'ai des trucs comme ça? Épée de maïs, croisière. Non, moyen quoi. Non, moyen là, la croisière là. La croisière, elle s'amuse plus là. La croisière, elle est couchée. Ouais, l'idée fixe. Non, pas mettre ça non plus. Pas une bonne idée. Un pendu, tiens. Ah! Voilà! Flight Coaster. Voilà, sous son meilleur profil. Voilà. Flight Coaster sous son meilleur profil. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous sommes réunis ce soir pour commencer à mettre un terme à Flight Coaster. Voici son meilleur profil. Non, mais on va pas faire ça, évidemment, c'est pour être mon con. Pourquoi j'étais... Je suis descendu, là, bientôt. Bientôt, je vais être assis par terre, quoi. C'est quoi, ce bordel? Va falloir que je fasse un subcall pour m'acheter une chaise, moi. Donc, tu m'as dit une statue. Ouais, une statue, ça peut être mal. Mais tu sais ce qui serait la meilleure statue qui serait à faire? Tu sais, de toi à moi, de moi à toi, la meilleure statue qu'il faut faire, c'est celle-là. Peut-être prendre trop de place, remarque. Tiens. Panneau d'hiver. Et c'est ce numéro 8 en pierre. Alors, c'est marrant parce que tu veux des chiottes et ça met ça. Rigoler, je me souviens plus où est-ce que je l'ai trouvé. Là, je suis confronté à un dilemme. Car je ne sais pas exactement où chercher ce que je veux. J'ai l'idée du truc, tu vois, mais je ne sais plus du tout où est-ce que c'est. Je crois que c'est dans le bâtiment, justement. Ah, à moins que... Si je mets... Ouais, c'est pas terrible, je suis pas plus élevé que ça.
Et vu que je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est encore un nom anglais, là-bas comme je te pousse, je vais passer à côté du truc. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite statue, quoi. Il y avait cette idée-là, hein, tu vois. Aïe aïe aïe, c'est un bordel hein. What the fuck, pourquoi ma chaise est... Putain mais... Je crois que ma chaise est cassée. Possible, elle est pas vieille. Elle est pas vieille depuis de 5 ans. J'avoir loupé le truc, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je trouve pas... Ah ! Donc c'est bien ce que je pensais, c'est pas un... Tu vois ? Voilà. Voilà la pierre que je voulais mettre pour Planet Coaster, pour enterrer Planet Coaster, voilà, c'est ça. Je vais à la cave, ouais, c'est ça. Je fais le... Bon, il va falloir bouger l'arbre derrière, par contre. Derrière, en fait, je veux un arbre derrière ou au pire sur le côté là. Mieux, je veux dire. Et ok. Ça là, c'est pas terrible, non ? Gentlemen, in the mix.
Là, c'est chaud. Écoutez, il y a le concept. Alors du coup, j'ai même pas pu avancer mon citrouille. Il y a le concept du début de la fin, ok. Il y a une idée, il y a un truc. Ouais, c'est plus ça que il faudrait que c'est plus là qu'il faudrait que je le mette lui. Toi, tu vas plus te mettre ici. Tu vas pas nous saouler. Tu vas pas détruire le coaster. Faire un truc majestueux quand même, faut lui faire un truc hein. Un truc digne de ce nom, quoi. Planet Toaster, c'est Planet Toaster quand même. Hein. Il y aura passé quand même une partie de notre vie sur ce jeu. Donc j'estime que il faut aller loin dans le délire, quoi. J'aurais bien fait des trucs comme ça ici, tu vois. Bon. Faudra voir. Là, c'est pour, c'est conceptuel, encore une fois de plus. On va se faire un petit screen. On va faire un petit screen pour Discord, tranquillement, tranquillement. Planet Coaster. Bientôt la fin des haricots. Après, on peut faire un screen comme ça aussi. Et là, le problème, c'est qu'il y a des trucs là-haut qui sont pas beaux à voir. Après, on peut faire un skin de ça aussi. Vu que c'est ce que j'ai réalisé ce soir, maintenant, tout de suite. On va faire ça, ça. Ça, ça. Par exemple. J'ai chier les... Ouais, c'est incroyable, incredible. Et ouais, les amis. C'est pas mal, hein.
Pas mal ça. C'est du lait d'amande grillé. Du lait d'amande grillé, c'est pas mal, hein. J'aime bien. J'aime bien. Au début, je pensais que... Tu vois, mais en fait, j'aime bien. Les amis Twitch, YouTube. Ça, c'est du professionnalisme, ça. C'est incroyable, ça. Je vous souhaite... On va se mettre un petit son pour ceux qui l'ont pas... Pour ceux qui... Ça fait longtemps que vous l'avez pas écouté. On va s'arrêter là pour ce soir. Ceux qui ne savaient pas que ça existait. Ça vous fait plaisir, ça fait longtemps. Tu l'as pas entendu? Non, mon PC est pas éclaté. C'est vrai. Relax, peace, José. C'est exact. Et voilà, les amis, c'était Willemax TV. Merci pour tous ceux qui sont venus, bien tous ceux qui sont passés. Ça fait plaisir. Merci à vous tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Encore une fois de plus, on a encore avancé sur le projet. On a créé ce genre de Lazy River, ce genre de toboggan citrouille qui a pris un peu plus de forme, mais qui n'est pas fini. On a commencé la cérémonie de fermeture de Planet Coaster. Il sera enterré ici pour le dernier jour de live de Planet Coaster, pour accueillir par la suite le premier jour de live de Planet Coaster 2. On verra, les amis. Je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci Twitch, YouTube. À bientôt. Bonne année, bonne santé. Je vais donner tout le bordel. N'oubliez pas le jeu vidéo, c'est que du vidéo. Merci Twitch, YouTube. Au revoir.